Run it back. Salut à tous, c'est Thio Tonton. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très très courte, donc je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle The Mammoth Cave Painting. Donc c'est un jeu qui a été développé le 24 août 2015. Donc il a été développé et édité par InBet Win Games. Donc c'est en gros une histoire de mammouth. C'est un jeu qui est très très court, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo très courte, parce que je veux pas vous spoiler complètement le jeu. Et c'est un jeu qui a été fait à l'occasion d'un concours en un week-end. Donc le jeu, il a une durée à peu près de 5 minutes, hein, grosso modo. Mais c'est un jeu qui est plutôt bien fait. Je l'ai trouvé assez sympa, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que bah voilà, c'est un jeu qui va vous prendre que quelques minutes, mais qui va pouvoir, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, je pense que ça peut être assez sympa de leur présenter ce jeu-là, parce qu'ils vont trouver ça vraiment joli, et même pourquoi pas des parents, des grands-parents, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de poétique, j'ai trouvé. Donc grosso modo, on va diriger un mammouth, hein. Voilà, donc vous avez une petite histoire qui vous est contée. Voilà, donc on commence, nous on va être ce mammouth là, et en fait on va avoir des touches très simples, hein, pour se déplacer. Donc on va pouvoir aller à droite, à gauche, hein, vous voyez, on a on peut aller où on veut, hein, vers le bas, vers le haut, on peut se déplacer en biais, voilà. Donc c'est très très simple. Donc on nous indique une flèche, et en fait on nous dit qu'on recherche notre enfant. Donc alors il y a une erreur de traduction, on va vers l'ouest, hein, pas l'est. Hein. Voilà. Et là, une fois qu'on a trouvé l'enfant, on l'appelle avec la touche X. Et voilà. Et donc là, forcément, on retourne au troupeau. Voilà. Voilà, donc on nous donne des petites informations, le troupeau était parti vers l'est. Et là on nous donne une deuxième touche, c'est une touche de charge en fait, qui va nous permettre de charger pour détruire ou se défendre. Donc on attend notre petit, et là, hop. Voilà. Donc là, j'ai éliminé les chasseurs qui s'en prendraient, bien sûr, à moi ou à mon petit. Voilà, donc vous voyez. Alors, je vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser télécharger le jeu. C'est un jeu qui est gratuit, totalement gratuit. Vous le trouverez sur Steam. Et c'est un petit jeu qui va durer vraiment que quelques minutes. Et que je vous engage à essayer et à faire au moins ne serait-ce qu'une seule fois. Alors, je pense que je ferai une version complète du jeu, que vous regarderez ou pas, si vous avez envie de le faire ou pas, ou de pas le faire, hein, c'est vous qui verrez. Mais j'ai trouvé que c'était un petit jeu extrêmement poétique, très sympathique, qui raconte l'histoire de cette maman mammouth qui va récupérer ses petits tout au long de l'histoire pour essayer de rejoindre son troupeau. Voilà, je vous en dis pas plus, vous découvrirez un petit peu ce qui va se passer. C'est un jeu qui se fait en 5 minutes de temps, vous avez terminé le jeu. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vous conseille, si vous ne l'avez jamais vu, de télécharger le jeu et de le faire. Vous verrez qu'il est très 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 sympa. Alors, bien sûr, c'est pas, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, le jeu est plus... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dedans, c'est la patte graphique, hein. Visuellement, on a vraiment l'impression... ils ont voulu finalement reprendre un petit peu les peintures rupestres qu'on peut trouver dans les grottes. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc je vous conseille de l'essayer. Voilà, c'est un petit jeu. Donc encore une fois, c'est un jeu qui a été fait par un petit studio de 3 personnes allemands. Et ils ont fait ça à l'occasion d'un concours. Ils ont fait ça sur un week-end. Donc c'est pour ça que le jeu est très très court. Mais franchement, ils ont fait un sacré... travail d'un point de vue vraiment esthétique et puis finalement assez touchant. Donc voilà, je vous laisse le faire, et
Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, diffuser, partager. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Je vous ferai une version d'ici quelques jours complète que je mettrai en ligne, comme ça, pour ceux qui n'ont pas envie de le télécharger ou qui peuvent peut-être pas le faire ou qui veulent simplement voir l'histoire. Et ben, comme ça, vous aurez l'histoire complète. Mais je vais vous laisser, voilà, je pense une petite semaine tranquillement pour essayer de le faire vous-même et de voir que c'est un bon petit jeu bien, bien mignon et qu'on peut présenter et laisser faire à des tout petits. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, il y a besoin des flèches de la touche X pour appeler et de la touche C pour charger. Et c'est tout. Voilà. Et la charge se fait dans la direction où on se déplace en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc avec un petit délai de recharge entre deux. Mais vous avez vu, c'est très très simple. Donc je vous engage à faire ce petit jeu. Franchement, il vaut le coup pour ces Allez, c'est 5 petites minutes de temps, mais moi je l'aurais aimé un peu plus long parce que vraiment je l'ai trouvé sympa. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, pardon. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!